Voilà. T'as plein d'idées différentes, comme par exemple prendre un club de la capitale et le faire monter en Ligue 1 pour aller concurrencer le Paris Saint-Germain. Des trucs comme ça, tu vois. Là, moi, par exemple, j'ai un deuxième challenge que j'ai commencé, que j'ai fait un petit peu hier soir en live. C'est avec Châteauroux, l'objectif, c'est de mettre un club de ma région, Centre-Val-de-Loire, en Ligue 1. Parce qu'il n'y a pas de club de ma région en Ligue 1. Voilà. Il y a des petits trucs comme ça. Valentin Rongier à la place de Guendouzi, je crois. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Tac. Donc voilà. Donc j'ai eu du chômage à la gloire. Donc voilà, l'objectif c'est de partir au chômage et de monter en puissance. Voilà. Ensuite, deuxième partie, c'est celle-là que je suis en train de faire là. Donc ça, c'est un challenge Arthuré. Donc là, l'objectif dans le challenge Arthuré, c'est de gagner. Et ma troisième partie, c'est comme j'ai expliqué, c'est avec Chatou. Bon, ça va être compliqué, on joue contre Allende et tout. Donc voilà. Allez, Nuno Tavares. Ah bah ça commence bien avec Kay Gundogan, l'équipe. Hein. Ça commence super bien le match. Quand on se prend pas le but, c'est bon, mais bon. Donc ce soir, on finira entre 19h. Ouais, c'est mort. Alors ce soir, on finira entre 19h et 19h15, les gens, pour le live. Donc voilà. Pour le live de Tout Passe Comme Plus, mais on verra ça tout à l'heure. Donc c'est des lives assez courts normalement. Ça dure 1 heure, souvent. Donc voilà. Bon. Pour l'instant, ça commence mal. On a pas mal aller chercher les matchs nuls, mais bon, je pense que c'est mort là, avec des Jabuds. Oh ouais, non, voilà, c'est complètement. La différence de force, elle est énorme entre City et Marseille. City, c'est juste 2 fois plus fort que l'OM, donc qu'est-ce que voulez-vous que je fasse? Après, on joue contre le Barça. Donc, bon, c'est mort. Ben, c'est sûr que c'est pas en Ligue des Champions qu'on va faire des résultats. Ah ouais. Ça va être compliqué quand même. En plus, avec Alexis Sanchez, se monte pas dans des matchs comme ça. Ça, c'est chiant par contre. C'est un peu fatigant. C'est des matchs comme ça où Alexis Sanchez aurait dû être. Et c'est pas vraiment vrai parce que je comprends pas pourquoi Alexis Sanchez dans le jeu se monte pas en sachant que normalement c'est dans des matchs comme ça qu'il doit être en puissance. Il y a un petit problème dans le jeu. Mais bon. C'est un peu con, mais bon, c'est comme ça. Bon bah on peut dire adieu à la Ligue des Champions, faut être réaliste. Allez, Suarez, Sanchez, Under. Non, c'est chiant mais faut être réaliste en vrai. Bah, on va supprimer ça. Ah, Klose, tu vas sortir. Et on va rentrer Mbemba à sa place. Voilà. Même Paul Lopez, il a une note catastrophique. 6,4, c'est con. C'est comme ça. Donc bon. Donc ouais. Na na na. Na na na.
Koshina, je suis rentré. Et on fera les trois derniers changements après. Allez, Payet, à la place de Amada, on va rentrer un jeune. De toute façon, le game est perdu, donc Pape Gay. Ah putain. On rentre Dieng, la gauche. Allez, c'est parti. Bon, on va dire que la Ligue des Champions c'est fini, on joue contre le Barça après, faut être réaliste. Je comprends pas pourquoi il y a un écart là. Ouais. C'est souvent que j'entends ça, même avec ma partie de Chatou. Donc ça m'embête, mais c'est comme ça. Hunter, oh là là, t'as un but vide. Il a... Oh, c'est mort là. Là, on peut plus aller en Ligue des Champions. Par contre, on peut aller chercher la troisième place encore. Oui, l'entraîneur adjoint. Premier du championnat, Rathéclame de Strasbourg. Parce que c'est un peu chiant de jouer contre le premier. Voilà, ils nous ont marché dessus en vrai. Bah oui, bon, y a rien à dire. Y a rien à dire. Malheureusement. Tac, demander un conseil de recrue. Utiliser l'entraînement suggéré, bien sûr. Féliciter Dupont. Hop. Donne-moi cette proposition de Toulouse. Ok. Personne ne va pas avoir besoin de tendu à connaître à fond, je déconseille le rappel de près. On félicite Leonardo Ballardi et on critique Dimitri Payet. Là, il n'y a rien à faire. Conseil, Bailly à place de Gigot, Ballardi à place de Bailly. Donc Bailly, Gigot. Voilà, on fait comme ça. Guendouzi à la place de Rongier et Veretout à la place de Gerson. Donc toi, tu es suspendu. On va faire comme ça et on va ramener Ben Sigir. Et on va emmener Nadir. Et on va aussi emmener Issac Aboué à la place de... Kovacinac, voilà. Ah oui, de toute façon, il peut revenir de blessure, on n'en parle pas. Le message, c'était trop vite. On a gagné 6 700 000, d'accord. Ok, ok. Donc là, on s'en fout pour l'instant. Non. Ouais, on passe, on passe. Assister à la conférence de presse. On est parti pour la conférence de presse. Allez, on continue. Un petit message. Et surtout se relancer. Ce serait pas mal. Jour de la semaine. Un message. Bailly n'a pas sa place en équipe de Côte d'Ivoire. Allez, deux petits messages. Il n'y a rien à voir là. Mise à jour des recherches. On s'en fout. On s'en fout qu'on peut pas faire de transfert. Donc Harit ne peut pas venir. Confirmé. Donc Harit ne peut pas venir, bah on va laisser Tekel. Allez, on est parti. Passer au match. D'accord, ouais. Allez, on baisse là, on continue. Les médias sont élogieux envers nous. Donc eux, ils n'arrêtent pas de gagner Strasbourg, qu'on fasse gaffe à ça.
Ouais. Alexis Sanchez, Suarez, Veretout. Bailly. Klos sur le côté droit. Klos qui est en train d'accélérer. Perisic. Nino Tavares qui récupère. Allez, Klos. Payet. Payet qui essaye de récupérer la balle. Mais bon. Bon, pour l'instant, Paulo Lopez, il a bien arrêté son premier tir. Et l'OM a tiré 0 fois au but. Super. Allez, Balerdi, Nuno Tavares, Luis Suarez, et but de Alexis Sanchez. Allez, on mène 1-0 contre le Racing Club de Strasbourg, ça c'est une bonne nouvelle. Officiellement. Allez, Nuno Tavares, Luis Suarez, Tavares, Guendouzi qui passe à Klos qui centre. Allez, Klos, Tavares, et non, malheureusement, c'est arrêté par Strasbourg. Ils ont failli marquer, mais bon, c'est bon. Alors, on revient à 1 point de Strasbourg. À Paris, il y a 2 points de Strasbourg. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, Klos. Under. Non, c'est raté. Bon. Et Perisic qui va tirer le corner. Et Perisic qui tire et ça passe au-dessus. Allez, Under, Veretout. Directement rattrapé par Strasbourg. Alors, le problème, Under. Sergei Under qui part du côté droit, qui redonne à Guendouzi. Under qui récupère, ça passe sur Payet, ça a été détourné en corner. Dimitri Payet qui va tirer le corner. Et c'est récupéré par Dagba. Under qui a failli aller chercher le but. Faisons ça. Alors pour l'instant, on mène 2-0. Ça, c'est une bonne chose. Donc, ça, c'est bien. RBI. Klos. 5 in under. Alexis Sanchez. Luis Suarez. 5 in under. Klos. Allez, 16. Allez. Guendouzi qui récupère. Je sais pas si leur jeu. Est-ce que le but va être validé ou pas? But accordé, on mène 2-0 contre Strasbourg. Ça, c'est une bonne chose. Donc, on est en train de gagner facilement Strasbourg. Ça, c'est une bonne nouvelle, en vrai. Allez, Paul Lopez. Nuno Tavares. Balerdi qui passe à droite, c'est plus que Klos. Under qui marque le troisième but du match. On mène 3-0 contre Strasbourg. Le premier match du championnat est en train de se prendre une petite raclée. On réussit souvent les tirs, ça c'est bien. Est-ce que des notes. Non, c'est bon. Allez, on continue. Allez, Payet qui va tirer le corner. Balerdi, Dimitri Payet. Guendouzi qui tire et but de Guendouzi. On mène 4-0 contre le Racing Club de Strasbourg. Impeccable. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne chose, ce score. De 4-0, vraiment, je suis content. Allez, Jonathan Klos, attends. On va sortir Klos. Issac Aboré va rentrer. Et Payet. Bah, The Bidon Nadir. Voilà, on va faire la différence. Et le Tavares, ça va rentrer. Bah, Samuel Gigot à gauche. Pas vraiment faire autrement. Euh,
Mbamba et on va rentrer le dernier joueur, ça va être Dieng ou Gueye. On va rentrer un peu Mbamba Dieng. Voilà, impeccable. Allez, Bamba. Lopez, BI, Eric BI. Sakinender. Là, on va attendre que le corner se tire. Voilà, Veretout qui va tirer le corner. Under. Gendouzi. Kaboré qui va centrer. Eric Bailly. Gendouzi. Gendouzi qui donne Under. Under maintenant. Gendouzi qui tire. Ça passe à côté. Donc, Bellegarde qui se prend un carton jaune. Under, ah, ça passe à côté, dommage. Juste à côté. Voilà, c'est Veretout qui tire le corner. Mbemba, Jigo. Kaboré. Kaboré sur le côté droit qui donne Under. Under maintenant. Oh, ça c'est une très bonne chose. Je suis content du match. Bien joué les gars, vous avez remporté. C'est bien, on revient 3ème. Et en plus de ça, on revient à 2 points de Paris. 1 point de Paris, 2 points de Strasbourg. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà. Alors on va féliciter Suarez. Voilà. Donc ça relance un peu le championnat devant. Assister à la conférence de presse. Débuter. Voilà. On se rapproche petit à petit du match contre le Barça. Elle ne veut pas utiliser. Allez, 3 messages. Bon, on leur a marché dessus de toute façon, donc voilà. La prestation IG est pour nous aussi. Ouais. Paul Nirola. 13 matchs, une fois une passe décisive, 6,79. Réunion avec Duretter, ouais. Voilà. Donc là, on va aller revenir à Marseille. Vu qu'il joue très peu, on l'a fait ramener à Marseille. Ok. Félicité Paul Lopez. Paul Lopez est 7,36. Alors, il vous propose un poste d'analyste de performance. Géré. 5 messages à bilan financier. C'est l'interdiction de recruter jusqu'au 2 juillet 2032. Donc on fait gagner que de l'argent en fait. Mbamba à la place de Klaus. Jigo à la place de Bailly et Kolasinac à la place de Tavares. Donc Jigo là. Kolasinac là. Bonjour à la place de Gendouzi et Gerson à la place de Suarez. Voilà, donc là on enlève. Allez, donc le lendemain. Alors, faut surveiller le lendemain de ski, mais bon. Donc là, il y a une affaire. Rapport avancé de l'analyse des prestations de Dominique. Donc ça, c'est le dernier match, on s'en fout. Les tacles. Peu de tac et inefficace, super. Dynamique de passe. Moins de passes adverses et moins de passes réussies, d'accord. Arrive très créatif et jeu très créatif. Centre réussi, c'est juste. Et passe réussie, ouais, c'est juste aussi. Là, ok.
Mais c'est nickel, il y a 25 matchs, mais bon. Ils sont tous contents de leur frère, ouais. Mais les joueurs qui jouent moins. Là, il n'y a rien à faire. Suarez, Guendouzi et Klaus. Ok. Allez, 4 petits messages. C'est plus. Ah, on a B moins par contre là. D'accord. Hop, il n'y a rien à faire. Pour moi, la fond, c'est réserve. Ok, on va faire ça. La fond, on va jouer avec les. Allez, test physique, Aminarit. Confirmé. BI à base de Verdi, Suarez à base de Jersen. Un BI, il y en a. On va lead l'équipe. Parce qu'en chaîne, il suffira pas. Que tu es sur la lancée, tu viens. Donc, on joue au vélo. Bien sûr, comme je l'ai dit, pour passer au moins finir deuxième, faut, troisième, faut gagner. Alors, on mène 1-0 contre le Barça pour l'instant, grâce à un but de 5 et d'under. C'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, Sporting Portugal est en train de gagner. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. On a fini de marquer un deuxième but. Super. Allez, Mbamba à droite qui passe à Under. Mbamba. Avec Sanchez qui a failli faire quelque chose, mais ça n'a pas marché. J'espère que City va égaliser. Ce serait bien. Tout en espérant que nous on égalise pas, qu'on se fasse pas égaliser, bien sûr. Après, si on gagne ce match-là, ce sera une bonne nouvelle pour le dernier match, mais bon. Allez, Jigo. Sakinender. Ah, dommage. Allez, Dimitri Payet. Egbi. Luis Suarez. Oh, il mène, putain, il gagne 2-0 de Sporting Portugal. Allez, Luis Suarez. On a failli marquer un nouveau but. Allez, Bamba, Payet. La fille, on va encore marquer là. Allez, Jigo. Bayi, Beretou, Luis Suarez, Under, Mbamba. Jigo, Jigo qui va essayer de centrer, non. Rongier. Allez, faisons ça. Mbamba. Payet. Qui donne Luis Suarez, Suarez qui va redonner derrière Kovacic. On se fait égaliser, donc c'est mort. Avec Kovacic qui donne Alexis. Under. Est-ce que le but est validé ou pas? Le but a été refusé. Putain, fait chier. De toute façon, même si on gagne, ça change rien, on est éliminé pareil. Parce que pour l'instant, ils gagnent toujours Sporting Portugal.
Et un sympathique attaque. On a fait de se prendre un but. Elle est rongée. On ramène toujours un match nul là. Allez, ouais, tu vas sortir, là c'est pas possible sur une chaise. Et bon, Matt Gang, tu rentres. Ça va vraiment jouer ça. Un Bamba, Rongier, Under. Dommage. Et pas les plis, par contre, c'est pour la fatigue. On va le sortir, on va rentrer. Barit à sa place. Ce qu'il va donner. Allez, Mba. Allez, faisons ça. Allez, ça, il se va sortir, on va rentrer. Chasson. Fabgay à la place de Veretout. Et Mohamed à la place de Gigot. Allez, c'est parti. Allez, Harit. Harit qui part en contre-attaque, essaye d'accélérer, qui donne Kolasinac. Gay, Kolasinac, Gay. Qui sort sur Under, dommage. Allez, Mbamba. Rongier. Rongier qui donne Harit. Harit qui tire de loin. Super. Allez, Baldé. Qui donne à Eric Garcia. On veut se prendre un but, mais pour l'instant on maintient le match nul, mais bon, je pense que c'est mort. Et Rafinha. Alors Mba qui donne à Paul Lopez. À Paul Lopez qui dégage comme n'importe comment. Oh non, putain. Bon bah tant pis. On se fait avoir. Allez, on critique tout ça. Bon, on perd 3-1. Ignoré. Oh non, Dieng! Ça fait chier! En plus, on perd comme par hasard, il y a. C'est parti du Portugal qui perd maintenant. Comment il fait pour rater ça, Harit? Comme par hasard! Parce que c'est parti qui perd maintenant. Non, c'est mort, mais. Bon, bah, on va faire tranquillement la deuxième partie de saison en mode que championnat Coupe de France. Il n'y a plus que ça à faire. Vraiment, on finit dernier. On va féliciter Payet. Bien ton adjoint. Un message. Putain, on a été éliminé, mais c'est pas vrai ça, c'est chiant ça. On a marché sur le Barça là. Manque de réalisme, pas possible.
Hop, impeccable. Klaus a besoin de Bamba. Balardi EBI et Tavares à la place de Kolasinac. Johnson à droite et Guendouzi en milieu offensif. Donc voilà. On est censé avoir, ouais. Assister à la conférence de presse. Okay. La France U19, Amidou en France U18 et Thomas Lantines en Portugal U19. Elle veut prendre le meilleur sur ses rivaux, ouais. Signe un nouveau contrat. Le Balerdi. Critiquer Jordan Veretout. Ouais. Attends, le boss. Ils attendent tous des victoires. Ok, test physique. Balardi à la place de Gigot, Bailly à la place de Balardi. Guendouzi, Rongier, Dimitri Payet, Guendouzi. Ok. Donc Balardi, Gigot. Ok, impeccable. On est parti. On va aider cette équipe. Allez, c'est parti. Nous sommes sur une bonne... Alexis, Veretout, Boateng, Lacazette, Ribéry qui récupère la balle. Pour l'instant, on repasse devant Paris provisoirement. Allez, Veretout, Jordan Veretout qui donne à Dimitri Payet. Dimitri Payet qui redonne à Veretout. Veretout et c'est tiré, arrêté par Anthony Lopez. Gusto, Lacazette, Toko Ekambi qui tire et ça passe au-dessus. Il y avait tout qui récupère, qui donne à... J'ai pas vu qui c'était. Avec Lopez. Veretout. Bailly. Veretout qui donne à Tavares. Guendouzi. Tavares. Ribéry qui donne Guendouzi, Richardson, Richardson qui récupère, Guendouzi, Bailly, Guendouzi qui donne à... Oh le but. Est-ce que le but va être accepté ou il va être refusé? But accordé, but d'Alexis Sanchez. Ah ça c'est une bonne nouvelle, Guendouzi qui donne à Suarez, Suarez qui recentre en direction de Sanchez et but. Avec Klaus, Payet, Richardson. Allez, Payet. On reprend provisoirement là pour un poste du championnat. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'instant. Oh non. Oh non, le but il a accordé. Mais non. Critiqué. Tavares. Payet. Allez. Gerson Lopez qui arrête la tire. Klaus, Paul Lopez, Eri Bailly, Tavares, Nino Tavares qui attaque, Suarez, Suarez qui repasse, alors c'est arrêté par Lopez. Allez, Dimitri Payet, ah ben non, encore arrêté. On s'en fait 1-1. Allez, Paul Lopez.
à voir qui tire le corner. Coffrant, Luis Suarez. Gerson, Gerson sur le côté droit. Qui va essayer de centrer. Gendouzi, Gendouzi qui donne à Payet. Veretout qui tire de loin. Suarez était hors jeu. Dimitri Payet, tu vas sortir. Rentrer Nadir. Sur le niveau, de toute façon, donc voilà. Allez, Luis Suarez. Comment il fait pour se faire. Oh là là. Gerson qui va tirer le corner. Nadir, Gerson, Nadir qui tire à côté. Gerson est en jeu, super. De toute façon, on n'a pas gagné beaucoup de gros cette année dans le jeu. Allez, verrez tout, puis va sortir, placer pas le gay. Allez, Klaus, AB. Grenade qui est en train d'attaquer. Heureusement qu'ils les ont défendus. Ben Seguir qui va rentrer, c'est qui après. Issa Kabore. Et bon manier. Allez, c'est parti. Nino Tavares va finir blessé. Kabore. Ah, dommage, dommage. Putain. Allez, Balardi. BI, Kabore, Issa Kabore sur le côté droit qui arrive à accélérer. Johnson, Johnson qui va centrer. But de Bamba Dieng. On mène 2-1 pour l'instant grâce à un but de Bamba Dieng sur une passe décisive de Johnson. Donc ça, je suis content. Le but de Dieng est magnifique. Donc pour l'instant, on reprend la première place provisoire du championnat. Allez, il reste plus beaucoup de temps de match. Oh non, un penalty! Mais non! Ouais, bute le Lacazette, putain! C'est pas vrai ça! Bon bah, match nul. Ils vont pas être contents, les patrons, les supporters. Ils vont être en colère. On aurait dû pas de pion. Normalement. Tiens. Oh oui, entraîneur. Ah, ça fait chier ce match nul. On les a dominés, putain. Pas vrai ça. Ah, par contre, Monaco a perdu 4-1 là. Strasbourg a perdu 1-0 aussi. Donc on peut en profiter au prochain match. Il y a deux messages. Sur la semaine. Donc on va mettre au repos Payet. Allez, un message. Harry était appelé en Coupe du Monde avec le Maroc. Pap Gay, il était appelé avec le Sénégal. Jonathan Klaus avec la France. Et Milik avec la Pologne. Ok, il y a 4 messages là. Allez, 2 messages par contre. Ça n'a pas dit. Ouais, bonne affaire sur toi. Donc M Bamba à la place de Balardi, Balardi à la place de Bailly. Koshin à chaque gauche avec Rongier en centre. Under à droite et Harit en point, un milieu offensif. Donc déjà Payet, on va le mettre au repos, on l'enlève.
et en Anderson. Nuno Tavares, faut qu'il vienne à la place de Bailly. Voilà. Donc, ouais. Assister à conférence. Allez, ok. Ouais. Maroc Olympique et. Il va y avoir nul. Donc, Artunes, il a gagné 2-0 contre l'Ukraine et 19, ouais. Amidou avec les U18, ils ont fait 1-1 contre l'Espagne. Et Gaël Lafont avec les U19, ils ont gagné 3-1 contre la Suède. D'accord. Donc, il vaut 3 étoiles, ouais. 2 étoiles et demi. 1 étoile et demi. 2 étoiles. Donc, on va écarter Santiago. Donc Tony Santiago nous quitte. Donc il était le premier club de Santiago est analysé au de Marseille en et occupé de octobre 2022 à novembre 2022. Il restait qu'un mois. Et Marie il arrive de. Ah non, il a changé de poste. Ouais. Ok. Alors, on va féliciter Leonardo Balardi. Donc, Mba et Harit, ils peuvent venir. Ok. Donc, on va laisser Tekel. Ouais, on va laisser Tekel. Allez, on valide. Allez, vestiaire. Montrez-moi que vous êtes capable. La chance qu'on a, c'est que Monaco soit pas en forme. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà. C'est avec des chapelles, donc compliqué. Allez. Alexis Sanchez qui tire le coup franc et c'est arrêté par Alexander Nobel. Veretout qui récupère, under. Luis Suarez qui tire et bah c'est pas Suarez mais bon. Alexis Sanchez, 5 in under, Alexis, close. Allez, Alexis Sanchez, 5 in under. Harit qui tire et but de Harit, est-ce qu'il est hors jeu ou pas? Pour l'instant, on mène 1-0, on va voir. Le but est à quart d'heure, on mène 1-0 contre l'AS Monaco. Donc pour l'instant, on reprend la première place du championnat. Il ouais, ça ne s'en occupe pas. Harit qui récupère, Balerdi. Veretout, under. Under qui centre et c'est au-dessus du but. Allez, close, Rongier, Harit. Harit qui donne c'est au-dessus du but à nouveau. Allez, Veretout, Kolačinac. Balerdi qui donne à Mbamba. Harit qui donne à Suarez. Harit qui tire, c'est au-dessus du but. Côté. On va même passer à la Coupe du Monde aujourd'hui, à mon avis. Under! Ah, je t'ai pas à dire, mais j'ai pas enregistré, bien sûr, aussi. Allez, Harit, qui donne à Rongier qui redonne. Bah, c'est raté. On va même la passer plus vite parce qu'il y a moins de championnat. Rongier, Alexis Sanchez, Veretout qui revient. Luis Suarez, et ça tire, et c'est à côté. Allez, Veretout, ça a été arrêté même par le gardien en fait, vu ce joueur. Under! En fait, ils font l'inverse. Ils font match nul contre Lyon, on devait gagner Lyon, et ils passent, ils sont en train de gagner Monaco, on devait faire match nul contre eux. Mais n'importe quoi. On a réussi à tirer au but, ça c'est bien. Allez, on continue. Alexis Sanchez. Voilà, Ben Yedder qui récupère. Veretout. Balardi. Rongier. Veretout. Harit. Sakin Under. 5 in under qui passe, dommage.
Allez, Balerdi. Qui récupère la balle. Veretout. Rongier. Alexis. Veretout qui tire, ça passe à côté. Allez, Balerdi. Veretout. Jordan Veretout qui récupère. Rongier. Je sais plus qui c'était. Balerdi, je crois. Bemba. Rongier. Faut qu'il fasse gaffe à pas perdre la balle perte. Non. Under qui essaye de récupérer son Malangsar. Suarez. Qui donne Under. Under qui tire et ça tue. C'est Nubel Carrette. Allez, Balerdi. Kolacinac. Balerdi. Klos. Qui donne à Rongier. Balerdi. Suarez. Et c'est tiré mais c'est arrêté. Avec Klos qui va sortir. Rentrer Issa Kaboé. Et Harit va rentrer Nadir. Voilà. Ouf, on a fait de se prendre un but. Balerdi va sortir, on va rentrer Samuel Gigot. Under. Sagan Under qui arrive. Il tire. Veretout qui arrive aussi pour tirer. Ah, c'est centre correct, mais bon, c'est raté. Bon, on va rentrer Pape Gueye. Et on va rentrer Ben Seguir. Voilà, on va avoir fait nos 5 changements. Allez, Rongier, Ben Seguir sur le côté gauche. Allez, Mbamba. Suarez. Oh non, mais faites pas comme contre Lyon, putain de ça. Fait chier. C'est la même chose que contre Lyon, pour l'instant, j'ai battu aucun gros. Ah, c'est pas vrai. Ils font la même que contre Lyon, ils sont égalisés. Oh là là. Bon bah match nul ou défaite. Attends, dis-moi pas défaite. Défaite, putain, non. Oh non. Bah pour l'instant on n'a battu aucun gros cette année. C'est une catastrophe. Ok, ça c'est bon. Putain. On va prendre mardi 6 décembre. Voilà, on va prendre les vacances jusqu'au 5 décembre. Ça y est, c'est fini. Donc on joue contre Barcelone, Wolfsburg, Inter. C'est peut-être possible. J'ai trop mis à la jambe en mode 13h30. N'importe quoi. À proposer un contrat. Tac. Voilà, impeccable. Excellente promotion. Au moins un de nos gardiens semble très prometteur. Un défenseur central, un milieu défensif, un milieu offensif, un ailier. Eh bien, on verra ça. On va peut-être se retrouver avec des merdes.
Je sais pas pourquoi je prends des recruteurs, ça me sert à rien en fait. Oh, il fait 4 étoiles. Emmanuel Clément, une étoile. Bon, on va le mettre à un petit premier. Donc Emmanuel Clément, il nous quitte. Il était arrivé de Reims en 2017. Il nous quitte en 2022. Et Ferrand, il arrive à l'OM. Il était au Paris Saint-Germain avant. D'accord. Et par contre, je vais faire un petit truc. Voilà, on va voir. Ok. Quart de finale, Suisse-Espagne, Angleterre-France, Portugal-Croatie et Pays-Bas-Pologne. Donc le groupe A, il y a les Pays-Bas et les Sénégal qui sont passés. Équateur-Qatar ont été éliminés. Groupe B, l'Angleterre-Iran sont passés, États-Unis et Pays-Bas éliminés. Groupe C, Pologne-Argentine, ils sont passés, Mexique-Arabie Saoudite éliminés. Groupe D, France-Tunisie sont passés, l'Australie et le Danemark ils ont été éliminés. Groupe E, l'Allemagne et l'Espagne étaient passés, le Japon et le Costa Rica éliminés. Groupe F, le Maroc et la Croatie sont passés, le Canada et le Belgique éliminés. Groupe G, Brésil, Suisse ils sont passés, le Serbie et la Cameroun n'est pas éliminé. Et groupe H, Ghana, Portugal sont passés, l'Uruguay et la Corée du Sud sont éliminés. Deuxième tour, l'Iran a été éliminé par les Pays-Bas, la Pologne a battu la Tunisie, le Sénégal a été éliminé par l'Angleterre, la France a éliminé l'Argentine, la Croatie a éliminé l'Allemagne. Le Portugal a éliminé le Brésil, l'Espagne a éliminé le Maroc, et la Suisse a éliminé le Ghana. Quart de finale. Les pays, voilà, bah, on est qu'en quart de finale, donc on verra. La même chose que l'ancienne partie qu'on a fait, la partie de Stuttgart, où c'est la France qui a gagné. Ah, ils vont moderniser le centre d'entraînement, enfin. Ça tombe mieux. Bon, on sait que la Pologne est éliminée. Et la France, je rencontre l'Espagne, ils ont battu. Hein? Ah non, c'est pas fait encore. Ah non, c'est pas fait. On va le savoir bientôt. Ah, félicité Garbi. La France bat l'Angleterre en demi-finale contre l'Espagne. Pays-Bas, Portugal, France-Espagne. La demi-finale. Ah, premier but de Jonathan Klaus en équipe. Ah bah! Bah d'accord. Ah, c'est vrai qu'il a été appelé très tard, il a eu que 9 sélections. On va féliciter. Et un message, Blanco à la passage, on va aller voir la Coupe du Monde vite fait. Ah, les Pays-Bas seront sur la petite finale parce qu'ils ont été éliminés par le Portugal. Donc pour l'instant, la Portugal est en finale. Peut-être que dans le prochain live, les gens... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut le voir là ou est-ce qu'on le saura dans le prochain live? Donc on le saura dans le prochain live. Donc voilà. Donc bah moi je vais vous laisser là. Donc pour ceux qui ont vu la rediff de live sur YouTube, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde.